Frère, que ce moyen, grâce et paix, bon Dieu, avec nous, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous bénissons, bon Dieu. Nous louons, nous balions gloire et honneur que lui-même seul méritait. Nous dormons, nous levons, nous disons, bon Dieu, merci. Et moi, vous remercie au matin hein, que vous acceptez l'évangile Christ là, entrez la caillou, que la paix de Dieu avec vous. Amen. Et nous songeons que nous n'en série, nous t'as parlé des béatitudes et semaine dernière nous t'ai parlé, nous t'ai dans numéro 5, dans numéro c'est dans Matthieu nous jeune, Matthieu 5 verset 5 semaine dernière. Qu'on y a nous dans Matthieu 5 verset 6 côté que Christ continue à parler avec foule là. Nous t'ai référé nous à serment ça comme étant serment sur la montagne et côté que le dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. De qui justice que Jésus-Christ lui parlait là? Qui ça exactement phrase ça avait dit? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous joignons assez souvent des gens qui mal interprété verset ça. Comme nous t'ai fait un exposé déjà, nous t'ai parlé de la justice de Dieu, des gens qui sont capables de gagner sur le téléphone toujours. Et si vous avez une chance de connecter à exposé aujourd'hui, il y a gagné des informations encore plus riches. Parlant de la justice de Dieu, c'est tout à fait différent, c'est pas la même chose que la justice des hommes. Le Christ dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » et contrairement aux hommes, en particulier les pharisiens, eh bien, qui tapent chercher justice par eux, dans la propre façon par eux, eh bien, Christ dit « Heureux ceux qui cherchent la justice de Dieu » au lieu que vous tentez pour établir lien avec propre justice par vous. Et c'est ce que nous retrouvons assez souvent. Et c'est avec peine pour nous constater après tout le temps ça que l'évangile a prêché. Et bon, retrouver situation ça, vraiment. Côté que, des gens, comme toujours, mettez-nous en garde, des gens qui continuent à fonctionner sous la loi. Dans Matthieu 7, verset 1 jusqu'à peut-être, nous regarder jusqu'à qui bon nous arriver. Nous lis les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des couches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Donc, c'était problème ça que Christ a gagné à l'époque. L'étape fait face avec un monsieur Sayo qui était à pas accroché avec un série de traditions. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure qu'il est, l'heure par exemple, et où après on nous compte des gens qui soi-disant observent mon Dieu, qui sont dans l'église, etc., etc. Et puis qui était accroché à des traditions, bagaille longtemps, bagaille qui est effacé, bagaille que Christ n'a pas honoré. Mais c'est problème ça. La vraie justice, c'est cette justice-là
dont nous parle Jésus-Christ, ce n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 3, nous lit « Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » C'est problème ça qu'on joue jusqu'à présent des fois, mon cap tiré qu'on a avec vous, avec des traditions, des choses qui passaient, des choses qui paguaient valeur, hein, dans Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 3, verset 9, ça c'est Paul qui a parlé avec l'église Philippe, il dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Nous sommes capables de constater que l'apôtre Paul était en Christ. Son union avec Christ n'était pas possible parce que Dieu lui n'était pas possible que parce que Dieu lui imputait. Son union avec Christ s'était rendue possible parce que Dieu lui imputait la justice de Christ et pouvant alors la considérer comme étant sa propre justice. C'est seulement à ce moment-là que Christ et que Paul capable de considérer. Et c'est ça qui fait me référer nous à premier exposé me faire. L'homme t'a parlé de la justice de Dieu comme étant partie de lui-même, t'a fait partie du caractère, des attributs que lui est capable de communiquer nous. Et bien, Paul capable de recevoir justice ça parce que bon Dieu impute-t-il justice Christ là pour la déclarer non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Il voulait parler de cette justice pleine d'orgueil et de moralité apparente que nous retrouvons jusqu'à présent, des rituels, des cérémonies religieuses et des bonnes œuvres. C'est une justice qui procède de la chair et qui est incapable de sauver du péché. Vraie justice, là, c'est la justice de Dieu. C'est ça qui fait que Jésus-Christ dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de cette justice ». Il voulait parler de la justice de Dieu. Une justice qui ne peut s'obtenir seulement par la foi en Christ. Par contre, ce qui forme pour expliquer ça encore, c'est ça qui fait des fois moi très en colère, les regarder des dirigeants d'église, son seul objectif, c'est ramasser corps dans mes fidèles, mais pas gagner enseignement, pas gagner la parole, pas gagner. On n'a fait combien de temps dans l'église, il pas apprendre rien, parce que on n'a pas, il pas réellement, il pas vraiment concerné. Pour le faire enseignement peuple, sans la parole, peuple a mouru, manque de connaissance. Pas qu'après l'église, c'est pour te dire, à chanter toute la journée. Faut capable de gagner un monde qui est en mesure d'enseigner la parole. Sans la parole, ou pas apprendre rien. C'est tant qu'a perdu. La justice, cette justice dont je vous parle, la justice de Dieu, Paul reposait sous lit. C'est pas seulement Paul, mais Christ attire attention nous. Il attire attention nous pour le faire nous connaître que une fois qu'on allait à partir de tradition ça yo, hein, ça moun ça t'a parlé, c'est ça fait le jour et il dit yo sont bon hypocrite, il a parlé de monde qui parle avec mais ou pas qu'on voit que gain de fois jeune plus de loi qui dit pas qu'à faire ça ou pas qu'à faire ça dans ces deux assemblées. Il y a plus gagné des choses qu'on pas qu'à faire. Ça est au fond la dernière bonne liste de choses qu'on n'a pas fait. C'est pas possible. Cette justice, on l'obtient par la foi. Et c'est seulement, tant que Christ montre bien, que c'est seulement justice ça capable de sauver. Par la foi en Christ. Son justice, il faut nous comprendre naturellement, c'est ça que je me référer à mon premier exposé que je fais. Dans Somme 71, verset 19, hein, nous sommes capables de rendre nous compte que justice ça grande. Parce que dans verset ça, il dit que justice est arrivée jusqu'au ciel. Dans Somme 71, verset 15 encore, il expliquait que justice ça sans borne, l'illimitée, cette justice qui vient de Dieu. Somme 48, verset 11, nous dit que la justice, cette justice est abondante.
li abondante. Bon Dieu pas limité. C'est avantage ça ou qu'on gagne, le que ou mettons de ce côté-là pour obtenir cette justice à travers la foi en Christ. Mais non à partir de tradition, hein, aux justices qui remplit avec orgueil, qui gagne une moralité apparente, hein, des rituels, des cérémonies religieuses, des bonnes œuvres, y a pas suffi. Y a pas suffi pour baou la vie éternelle. Donc Jésus-Christ est bien prend le temps pour le dire, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Il voulait parler de la justice de son Père. La justice de Dieu, cette justice, le que pas grâce, hein, ou soif de lui, son bagage qui vient naturel la caillou. Cette foi, c'est ça qui fait me dire au monde, l'aura sauvé, Christ passe et le prend où? C'est déjà, ou déjà parler là de la grâce, parce que pour contour, c'est pas ça lui, non, que ma parole que nous obtenu par la grâce. Oui, c'est vrai. Mais le fait qu'on gagne la caille, un minimum de foi qui permet qu'on accepte Christ, c'est une grâce que bon Dieu t'a grant. Son dépôt qui t'a grant en fait dans vous-même. Parce que quelqu'un de monde, t'a comme toujours dit, on met bal l'évangile là matin, midi et soir, à l'entrée dans nos oreilles, il saute dans l'autre. Mais on même qui a écouté message ça, je dis. Hein. On même qui gagne la foi en Christ, levez mais on l'a dit, béni soit l'Éternel. Parce que c'est par la grâce. Cette foi-là, ce n'est pas un bagage qu'on acquérit à partir de ou tellement intelligent ou les Bibles comprennent pour dire qu'il t'aime bien Christ la vie. Non. Pas de monde qui bâille Christ la vie, ou Christ prend la vie. Ou, c'est Christ qui prend. Ou pas de courage pour faire même premier pas. Ou pas de courage pour faire premier pas. Ou même qui t'aime dans la rue, Christ passe mais le prend. C'est pour courber, pour dire bon Dieu, merci. Merci pour grâce. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Et c'est cette justice-là que Christ a parlé. Hein? C'est de cette justice que l'a parlé. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Nous toujours parler nous de soif ça. Hein? Nous toujours mentionner nous soif ça. Dans un message, je t'ai mentionné une fois, je me dis, je songe l'homme fait accepter Christ. Il y a une prière que je fait, que je continue à faire toujours. Toujours demander mon Dieu pour me toujours soif de présence. Li. Hein, soif de cette justice-là, qui obligeait ma courber devant la volonté de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là que chemin a prouvé, c'est là ça que vous êtes capable de voir que vous êtes marché. C'est ça qui fait m'inviter nous pour nous rester dans la parole, parce que sans la parole, la très difficile, chemin pas facile. Chemin pas facile. Il nous faut la parole. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de conduire nous. C'est seule la parole de Dieu qui permet que nous affermions foi ça. Parce que sur route, l'on est pour le faiblir, pour le fatiguer. Tradition, ça y est. Il est que pour nous capables de mettre de côté. Tu gagnes des autorités religieuses qui te qu'on a imposé genre de loi ça yo. Et peuple a aveuglé, hein? Peuple a aveuglé, ce n'est qu'à la venue de Christ que nous commençons à ouvrir les yeux. Mais nous avons pris avantage. Yo t'ai abusé peuple en façon pas parce que c'était des autorités que ont des autorités religieuses, yo t'ai imposé des choses soi-disant à partir yo t'ai basé sur tradition comme on dit. Tradition qui n'a pas de valeur encore. Et puis, mon obligé qu'on y a à fonctionner, mais le plus souvent, puis faut là-dedans, c'était venture que tu as rempli. C'est ça que fait Christ, toujours considéré comme étant des hypocrites. Parce que, il dit, ce peuple m'honore d'élève, mais son cœur est éloigné de moi. Et l'on retrouve bagaille ça, jusqu'à présent, ça fait la peine. Ça fait la peine pour constater que jusqu'à l'heure qu'il est, ou joindre des mouns qui continuaient à honorer Dieu, mais ça avec bouche yo. Cœur vraiment bien loin. Cœur loin, cœur pas là vraiment. Yo pas réel.
Donc c'est râler ça à nous te gagner pour nous faire aujourd'hui ensemble avec vous pour nous te capable expliquer au qui ça Jésus-Christ. Hein? Dans toute béatitude yo nous fait plusieurs déjà. Eh ben aujourd'hui hein, le l'a parlé de monde qui soif, monde qui faim pour la justice, contrairement à ça en pile monde comprendre, il y a de monde qui comprennent que c'est le par exemple yo faire du tort et puis attendre la justice de Dieu. Hein, qui pourra le régler pour yo. Non, c'est pas de cette justice qu'il a parlé. Il a parlé d'une justice qu'on obtenit à partir de la foi en Jésus-Christ. Une justice qui vient faire que, même Jean avec l'apôtre Paul, tant comme se dit nous, qui retrouvait le nom Christ. C'est place ça qu'on a besoin d'occuper. Hein? Et dans l'exposé, je t'ai fait déjà, je t'ai expliqué que il fait partie de l'ADN bon Dieu. Et c'est un attribut communicable, que n'est pas communicable, mais li ba nou li, et parce que c'est un attribut, pour m'expliquer mieux, c'est un attribut que Christ et que Dieu accorde nous. OK? Il accorde nous, et selon bon vouloir, li, c'est avec bonne volonté, il accorde nous, justice ça, retirer la donne, li ba nou li. Et ce n'est pas parce que nous marchons bien devant lui, mais c'est bonté par lui, c'est bon vouloir lui, de déclarer que nous justes. Et c'est ça qui fait de nous-mêmes des justes. Ce n'est pas par action nous, ni œuvre nous, mais c'est l'amour qu'il y a pour nous. Ça te fait partie de plan hein, de salut. Hein? Eh bien, nous hériter de justice ça qui vient de Dieu. Qui vient de Dieu. Et c'est ça que Paul te comprend très bien et très tôt. Et c'est ça qui te permet que le marché, Jean t'a marché avec Christ. Hein? Il était avec Christ, il était habité dans Christ, Christ habité dans lui. Et c'est invitation, ça que le fait moi-même avec aujourd'hui. Hein? C'est place ça que nous tous les deux besoin de retrouver nous. Hein? Faut capable habiter dans Christ pour Christ habiter dans nous-mêmes. C'est le ça pour marcher, chante à supposer marcher. Amen. Donc, Frère Maxwell Moyo, c'est ça que j'ai gagné pour nous, pour journée aujourd'hui. Hein. Tant qu'on m'invite, nous, je t'ai dit plus, mais puis faut dans ça que je t'ai ajouté. Il y a déjà un exposé que je t'ai fait sur la justice de Dieu. Donc, les gens qui ont une chance dans le téléphone, nous, ça a quelque temps, mais si nous pas effacé, nous avons besoin d'un exposé qui t'a parlé de la justice de Dieu. Nous avons intérêt à faire un coup d'œil là-dedans, pour compléter l'exposé aujourd'hui. Hein. Donc, comme nous connaissons message, il n'y a pas capable de long. Je dis un message là réellement court. C'est ça que fait des fois. Les sujets à obliger que message là plus long, il faut nous prendre patience avec moi. Donc, tant qu'on fait chaque fin de semaine, moi souhaite nous pour nous passer une fin de semaine agréable, pour nous rester dans la parole, pour rester dans la prière. Mandez cet esprit pour le capable d'expliquer nous davantage ça que nous ne comprenons pas. Et là, nous finissons nos messages. Nous avons intérêt à étendre encore et encore jusqu'à ce que nous comprenions, parce qu'il y a des choses qui sont capables d'échapper nous. Mais l'objectif, ce n'est pas juste pour nous entendre des messages là, parce qu'il y a un tel voué le bon moins. Mais messages là, moi prends le temps pour me préparer, c'est parce que désir moi, instruction que je reçois de Dieu, c'est faire ça m'a fait, et ceci pour les gens qui ne comprennent pas la parole, eh bien, ça apporter un peu de lumière, l'ajouter un peu dans la connaissance spirituelle nous. Amen. Donc, encore une fois, je demande pour nous rester fermes. Je constate qu'il y a un pile de monde qui a foulé. Deux par WhatsApp qui a circulé. Et il y a une chose que je suis capable de dire, non, sans que je ne puisse pas entrer dans le sujet. Hein. Nous sommes tout au courant de la pandémie. Nous connaissons que les ravages que l'a fait partout dans le monde. Eh bien, nous avons songé que Christ m'a dit à ce que nous ne pas affolé, non. Pour nous continuer la foi en Dieu et en lui. Donc, n'a pas appliqué toute mesure de précaution que l'autorité au banon et n'a pas gardé la foi en Dieu dans la prière. Nous pas gagné pour nous affoler. Nous pas capable de faire tout le temps ça en pile dans nous dans l'évangile et puis pour nous arriver à la dernière minute pour nous pas passer test là, son test lié. Des fois, le Christ prend le temps qu'il faut pour l'enseigner, non? C'est ça qui fait que nous supposons, comme toujours à demander, l'évangile l'a supposé en dedans. Ce n'est pas dans la Bible, ni dans le cahier notre lié. Hein? Parole l'a supposé en dedans. Dans un moment difficile, ça, pour capable puiser
et ou ap kapab jwen force nécessaire pour faire face à difficulté. Amen. Donc que la grâce et la paix de Dieu rete ensemble avec nous. Passez yon semaine agréable, rete dans la parole et continuez faire travail évangéliste nous, publiez message ceci pour la gloire de Dieu et concernant l'autre monde ap kapab bénéficier de enseignement. La paix de Dieu avec nous mes frères et sœurs.